Parler avec Monsieur Home. Bienvenue sur Monsieur Home, l'application dédiée aux utilisateurs d'assistants vocaux Google. À quel service souhaitez-vous accéder ? 1. Le dernier flash info. 2. Gérer ou envoyer un SMS. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne des nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, grâce au groupe Facebook Google France, ils ont développé une superbe application du nom de Monsieur Home, dont une particularité, grâce à cette application que vous allez pouvoir télécharger, vous allez maintenant pouvoir envoyer des SMS avec n'importe quel Google Assistant. Ça, c'est vraiment génial. Un très grand merci à Facebook Google France. Je vous mettrai les liens dans la description car ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez être au courant des différentes nouveautés sur le Google Assistant, le groupe Facebook Google France pourra aussi vous renseigner. Un grand merci à eux puisque ça va pouvoir dépanner quand même pas mal de monde de pouvoir faire cette technique. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des nouvelles technologies. Et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. C'est parti. Voilà les amis, donc aujourd'hui, la possibilité d'envoyer des SMS, des messages d'urgence. Là, je pense aux personnes en situation de handicap qui ont beaucoup de mal avec les membres supérieurs. Pouvoir envoyer un message d'urgence grâce à son Google Home. Chapeau Google France d'avoir mis en place cette technique qui d'autant plus est entièrement gratuite. Alors pour cela, il faudra vous rendre sur le Play Store car oui, malheureusement, les amis d'iOS, vous n'avez pas la possibilité de faire ça à partir de votre iPhone puisque le développement n'a été fait que sur Android. Patientez, peut-être que l'application va sortir bientôt. Au fait les amis, pour le résultat du concours pour gagner les hockey, les petits, les écouteurs Bluetooth que je vous avais présenté il y a 15 jours, c'est donc l'heureuse gagnante Mirabelle Girl qui a été choisie parmi l'intégralité de tous les commentaires. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'il va y avoir d'autres concours. Il y aura aussi un gros concours pour les 50 000 abonnés. Donc abonnez-vous, venez nous rejoindre. Et voilà, donc c'est notre amie Mirabelle Girl qui a gagné cette magnifique paire d'écouteurs Oki entièrement tactile. Donc bravo Mirabelle Girl, bravo pour ton commentaire qui m'a extrêmement touché. Bravo à tous d'avoir participé au concours et surtout donc n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque bientôt d'autres concours sur la chaîne Vision Hightech pour gagner bien d'autres choses telles que ce style de cadeau. Voilà, allez, on continue la vidéo et encore un grand bravo à Mirabelle Girl que j'ai contacté et qui va recevoir son petit cadeau. Une fois que vous êtes rendu sur le Play Store, vous téléchargez l'application Monsieur Home, une notification. Monsieur Home. Une fois que vous allez ouvrir votre application Monsieur Home. Accès au service vocal des SMS via une enceinte connectée, touche Monsieur Home. Vous avez ce genre de fenêtre. Alors, en premier, Monsieur Home vous propose de mettre un premier numéro de téléphone à qui vous allez vouloir envoyer un message d'urgence, tel que envoyer alerte SMS, touche. Entrez ici le numéro du contact d'urgence, zone d'édition. La première zone d'édition va vous donner la possibilité de mettre le numéro de téléphone portable de la personne à qui vous allez vouloir envoyer un message d'urgence si vous êtes en danger. Vous êtes une personne en situation de handicap, vous êtes tombé, grâce à votre Google Assistant, vous allez pouvoir malgré tout envoyer un message d'urgence, un message SOS. Donc vous mettez le numéro de téléphone de la personne. Bonjour, je suis en danger, veuillez appeler les pompiers, merci. Zone d'édition, entrez ici le texte d'urgence à envoyer. Par exemple, ceci est un message de détresse, j'ai besoin d'aide. Voilà donc, vous mettez le message désiré, le message que vous avez besoin d'envoyer au cas où vous avez un problème d'urgence. Dessous, vous avez un gros bouton. Enregistrer numéro et texte d'urgence, touche. Vous avez donc le bouton enregistrer le message et le numéro de téléphone du texte d'urgence. Envoyer alerte SMS, touche.
bouche. Vous avez donc un très gros bouton rouge à noter qu'ils ont mis un soin tout particulier à l'accessibilité avec Voice Assistant et Talkback. Encore un grand bravo à vous, l'équipe de Google France. Ça mérite d'aller vous abonner sur leur chaîne et sur le site Facebook Google France. Dessous, Axo service vocal des SMS via une enceinte connectée, touche. On a donc accès au service via les enceintes connectées. Monsieur Home. La fenêtre ici se constitue d'un gros bouton où vous allez devoir bien sûr vous enregistrer. Donc pour vous enregistrer, il faudra donc mettre votre numéro de téléphone. Ensuite, vous aurez à intégrer jusqu'à 10 contacts, car grâce à cette application, vous allez pouvoir envoyer des SMS jusqu'à 10 contacts. Retournez à l'écran d'urgence, activez le service de SMS via enceinte connectée, touche. Vous allez donc pouvoir activer votre service lorsque vous allez vous abonner au service SMS de Monsieur Homme. Vous allez donc recevoir par SMS un code que vous allez entrer dans cette page. Axo service vocal des SMS via... Une fois ceci fait, vous allez donc sur votre enceinte Google Assistant. Alors attention, ça peut être le Google Assistant classique, le mini Google, l'enceinte JBL Link, votre Nest Hub. Vraiment, c'est le top. On a accès à tous les Google Home et les Google Assistant. Une fois tout ceci mis en place, vous allez sur votre enceinte et vous demandez avec le mot-clé comme d'habitude, OK. Et vous demandez à parler à Monsieur Home. C'est parti. Parler à Monsieur Home. Bienvenue sur Monsieur Home, l'application dédiée aux utilisateurs d'assistants vocaux Google. À quel service souhaitez-vous accéder ? 1. Le dernier flash info. 2. Gérer ou envoyer un SMS. 3. Les trucs et astuces. 4. La liste des objets connectés compatibles. 5. Le dépannage express. 6. Souscrire aux notifications d'infos, d'articles ou promotions. Gérer et envoyer des SMS. Que souhaitez-vous faire ? 1. Envoyer un SMS. 2. Ajouter un contact. 3. Effacer vos contacts. 4. Modifier ou remplacer un contact. 5. Configurer votre compte. Ou sinon, dites menu. Ajouter un contact. Je vous conseille d'effectuer l'ajout de vos contacts depuis votre téléphone afin de noter avec votre clavier leur numéro de téléphone. Maintenant, veuillez prononcer d'abord le nom de ce contact. Bernadette. Maintenant, veuillez me donner le numéro de téléphone de Bernadette en le notant si vous êtes avec votre téléphone, sinon en le disant de manière rapide si vous êtes depuis un Google Home. Par exemple, 06 12 34 56 78. C'est à vous. 06 10 15 15 30. Pouvez-vous me confirmer que vous souhaitez ajouter Bernadette avec le numéro 06 10 15 15 30 sur votre compte ? Oui. J'ai enregistré votre second contact, Bernadette, avec le numéro 06 10 15 15 30 sur votre compte. Pour lui envoyer un SMS, dites « Joindre Bernadette », sinon dites « Ajouter un autre contact » ou « Menu ». Menu. Vous êtes au menu principal. À quel service souhaitez-vous accéder ? 1. Le dernier flash info. 2. Gérer ou envoyer un SMS. 3. Les trucs et astuces. 4. Gérer, envoyer SMS. Que souhaitez-vous faire ? 1. Envoyer un SMS. 2. Ajouter un contact. 3. Effacer vos contacts. 4. Modifier ou remplacer un contact. 5. Configurer votre compte. Ou sinon, dites menu. Modifier un contact. D'accord Christophe, veuillez prononcer à haute voix le prénom Christophe afin de confirmer sa modification. Bernadette. Quel est le prénom du nouveau contact qui remplace Bernadette ? Joséphine. Quel est le numéro de téléphone à affecter à Joséphine ? 06 12 13 14 15. Voilà, maintenant on va passer au concret. Je viens de vous montrer comment on met en place un contact. On peut en mettre donc jusqu'à 10.
Maintenant, on va envoyer un SMS. Alors, attention, je compte sur vous. Commentez la vidéo, car commenter, c'est faire monter la chaîne Vision Hightech sur YouTube. Likez la vidéo si elle vous a plu. Là aussi, c'est important pour moi, pour vous, puisque en commentant et en likant, vous faites monter Vision Hightech dans les maillons de YouTube. Et ça, c'est hyper important, les amis. Je compte sur vous. Mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits likes. Ça fait toujours plaisir et puis ça encourage, vous savez. C'est ce qui donne envie d'aller encore plus loin avec vous. Allez, on va envoyer un petit SMS, c'est parti. Envoyer un SMS. Que souhaitez-vous faire ? 1. Envoyer un SMS. 2. Ajouter un contact. 3. Envoyer un SMS. D'accord Christophe, vous souhaitez envoyer un SMS à Christophe ? Oui ou non ? Oui. D'accord Christophe, que souhaitez-vous envoyer à Christophe ? Salut, je fais actuellement un test avec la nouvelle application de Monsieur Homme, développée par Facebook Google France. Franchement, une balle. Dis-moi ce que t'en penses, surtout likez cette vidéo, faites-moi un petit retour dans les commentaires et on se dit à très vite. J'ai entendu. Salut, je fais actuellement un test avec la nouvelle application de Monsieur Homme développée par Facebook Google France. Franchement, une balle, dis-moi ce que tu en penses. Surtout, likez cette vidéo, faites-moi un petit retour dans les commentaires et on se dit à très. Confirmez-vous l'envoi de ce message ? Oui. Compris. Je lui envoie ce message par SMS via votre téléphone. Monsieur, entrez ici, le numéro du contact. Souhaitez-vous savoir si votre téléphone a bien traité la demande d'envoi du SMS à Christophe ? Salut, comment ça va ? Je teste actuellement Monsieur Home. Votre téléphone a bien traité votre demande d'envoi de SMS. Savez-vous que vous pouvez également envoyer des messages de détresse en cas d'urgence, transmis instantanément à l'un de vos contacts ? Il suffit de demander à votre Google Home ou Nest par exemple, demande à Monsieur Home d'envoyer un message d'urgence à Stéphane. Un message préenregistré lui sera alors envoyé par SMS via votre téléphone. Pour retourner au menu principal, dites « Menu », sinon, dites « Stop ». Stop. Aujourd'hui 9:36, United Vision, salut, comment ça va ? Je teste actuellement Monsieur Home, 8:36. Voilà donc le message qui a été envoyé par Monsieur Home. Voilà donc comment envoyer des petits SMS à partir de votre Google Assistant grâce à Monsieur Homme et grâce Facebook Google France. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, la chaîne des nouvelles technologies. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !